Et bravo, c'est ma première conférence de presse en 16 ans. Donc déjà, on se dit tout à bien, merci de votre présence. Et bon, Kenya a fait sa conférence de presse pour l'événement Mr. Love, le concert, qui est appelé le 9 mai au MGI à Mouka. Donc c'est à partir de 19h30. Et donc voilà, c'est le premier concert son et lumière qui est organisé par une nouvelle boîte événementielle, Mr. Events and Entertainment, en collaboration bien sûr avec plusieurs sponsors, surtout le major sponsor Juice, MyMCB, et Joran aussi, et Parade de Maurice, plein d'autres sponsors, Paradise Berlin, Culture Events, etc. Aussi de la aussi. Et surtout les invités, vous m'avez invité, M. Sem, Mélison Caspar, et Soledad Lyon qui est là aussi, Système R, et là aussi Jérôme, Marista, Teki, Queen, Bruno Raya, Blacayo. Et pour ce conseil-là, il faut une affaire assez unique, dans le sens que on a une mise en scène, un gros travail hier avec un musicien professionnel et un danseur, danseuse aussi qui travaille pour un titre. Et pour interpréter d'une certaine façon, on veut travailler surtout en version live pour sa concert-là. Et pour moi, ça l'événement, voilà, Mr. Love, le concert après 16 ans, qui envie justement au centre de niveau et voilà, donner un peu plus de qualité par rapport à nos produits. Et comme je connais, Système S, c'est l'ensemble, c'est le prêt, c'est la famille, et j'ai beaucoup de travail aussi. Et donc voilà, et l'événement est lancé depuis quelques temps déjà. Et ben, il est déjà disponible. Donc, dans le magasin. Un disquaire actuel et surtout à produit Urban Music, Yann Music, qui m'a accueilli chez Mini Melo, attaché dans le magasin Lotus, à Rosille DJ Music Shop et à Magie de Music. Et il y a aussi un showroom de Paris de Maurice, qui est un billet disponible, et surtout à travers l'application. Juice by MCB qui propose justement pour une première fois pour un événement à Maurice et qui m'a dit client ou même les autres sont capables d'acheter des billets à travers Juice et quand je vais passer à travers Juice il y a justement un bonus de 50% qui se peut gagner vos billets pour le concert. Et j'en vais vous sortir aussi pour sa concert pour sa concert là, c'est que chaque billet qui va être acheté pour assister au concert, il permet à 20 enfants de deux associations qui appellent Green Fly et Ange du Soleil, qui est basé à Rivière-Nord. C'est deux ONG. Et ça m'a dit, c'est 20 enfants abandonnés, 20 enfants défavorisés, ou démunis. Et c'est ça m'a dit, ça m'a dit, j'ai eu l'occasion d'assister à un concert, un spectacle, son et lumière. Donc chaque billet qui a dû venir pour assister au concert et contribuer pour qu'il y ait des enfants viennent assister à sa concert aussi. Donc c'est une façon de nous aussi nous voir l'événementiel décider pour nous apporter une contribution, un soutien caritatif à nos ONG. Et nous commençons avec ça des ONG là, puisque nous nous basons à Rivière-Nord. Et donc voilà, ben, un peu présent. Et j'ai déjà tout excité pour assister au concert. Et bien nous remercier aussi Manu Jimmy qui nous a fini faire cette réservation, fini commencer à prendre notre billet. Alors pour ceux qui ont envie justement de prendre notre billet en cours, plus d'informations sur toi à travers Juice qui te lance, ça projet là ensemble avec nous et qui te soutenir nous énormément. Donc nous envie de présenter Patrick Lacrodin qui est responsable de développement corps. De la MCB Juice et voilà qui va m'expliquer un petit peu en gros
comment maintenir la capacité de payer plus facilement. Merci, Louis. En fait, bonjour à tout le monde qui est aujourd'hui. Comme vous avez sûrement entendu parler du Google le mois dernier, on a lancé la nouvelle version de Juice. Dernièrement, on se positionne comme Juice Mobile Lifestyle Banking Banking. Avant, on était Juice Mobile Payment, on a évolué vers Mobile Banking. Maintenant, on se retrouve comme Juice Lifestyle Banking Banking. Ce qui veut dire, c'est que on fait partie prenante de la vie des gens aujourd'hui, Juice Lifestyle. Et à travers Juice, on veut faciliter la vie des gens. Notre objectif maintenant, c'est de bouger vers un cashless society, c'est-à-dire de plus en plus aller vers la monétique, le digital, comment éviter les files d'attente, à trouver des sous à payer, tout est fait électroniquement. Donc c'est un peu notre objectif aujourd'hui. Et avec la nouvelle version de Juice, on est en train de révolutionner aussi le monde bancaire parce que c'est une première Maurice, on est le pionnier dans le domaine. Et avec Juice, avec son accès facile, avec son login à 4 chiffres, avec son côté innovant, avec le fait de pouvoir changer son PIN de sa carte de débit et sa carte de crédit, avec ses features très intéressantes d'avoir des offres chez plus d'une centaine de prestataires exclusifs à l'MCB, et le côté pratique de pouvoir payer son électricité et son income tax à l'envoyer. Donc, Juice est vraiment en train de se positionner pour venir faciliter la vie des gens, de ne plus avoir à se déplacer, à faire des files d'attente, et toujours être, pouvoir passer plus de temps avec sa famille et enjoyer ce temps-là autrement. Okay? Et aujourd'hui, comme Mr. Love a déjà parlé, c'est un plaisir de nous associer avec pour ce premier conseil, mais aussi c'est une première pour nous. Mais Ludovic est quelqu'un de très prometteur, l'artiste local, et c'est un peu notre but de venir promouvoir la scène locale aussi, et aussi le côté caritatif qui est un peu dans notre ligne de l'MCB, c'est de tout le temps être en termes de CSA, en termes d'aide. Et pour nous, ça va faciliter un peu plus la vie des gens. Okay? Et comme on a déjà annoncé aussi, c'est qu'en payant avec l'application Juice, c'est-à-dire dans le Juice et payant avec l'application Juice, les gens vont bénéficier de 50% de remise sur les billets VIP. Donc déjà, le billet qui a 550 roupies va être offert à 275 roupies pour les 100 premiers clients. Donc c'est déjà quelque chose de bien et on va contribuer dans ce sens. Pour plus de renseignements, vous allez sur la page Facebook de l'MCB et aussi sur le site www.juice.com. On revient un petit peu au concert maintenant, le déroulement du concert. Tout ça va nous qui, pour les anciens enseignants, c'est un artiste qui m'a surtout contribué et fait part aussi du courrier, la courrier de Mr. Love pendant 6 ans. Et bon, que ce soit de façon proche ou moins proche, mais seulement, je tout contribué pour qui Mr. Love est ce qu'il est aujourd'hui. Et m'a qui peut contribuer pour ce qui vous venir après aussi. Justement parce que il y a une préparation d'album qui est déjà lancée. La sortie est prévue pour d'ici une quinzaine de jours maximum. L'album sera déjà disponible. Donc le public en général écoute déjà un avant-goût du concert parce que nous sommes nous retrouvons bien sûr Soldat Zion qui est un ami de classe qui fait aussi partie du plateau. De la notice qui vous présente, c'est un talent à découvrir et aussi Mary Jane Gaspard qui fait partie de collaboration sur l'album. Également, c'est un talent à découvrir, à redécouvrir peut-être ou même. Et papa écoute Mary Jane Gaspard sous un autre registre, peut-être. Ça peut faire plaisir aussi encore plus les fans. Et voilà, en gros, c'est, il y a beaucoup de projets derrière sa concert-là. Et justement, par exemple, il y a quelque chose à rajouter par rapport à cette participation. Et surtout par rapport au concert, d'abord, merci de tout qui est là, qui est présent. Et c'est une grande préparation, c'est un plaisir immense qui est aussi dans ce concert-là, surtout.
Mr. Love, le concert après plusieurs années, c'est le grand concert, surtout le spectacle live, sans venir, ce sera le samedi 9 mai, au NGI, avec une manortiste qui vient de réunir, au conseil manortiste qui est le haut de la scène ce jour-là, c'est aussi une manortiste qui vient de côtoyer, qui est proche quand même, et qui est même respecté pour sa manortiste, et qui est même respecté aussi. Un immense respect qu'il a pour Mr. Love, on trouve avancer, on trouve avancer dans les très prometteuses, comme l'a dit monsieur, et surtout, et nous gagnons en maturité et nous allons vous montrer aussi ce public qui nous apprend beaucoup, qui a encore pas apprendre, qui est capable de ce qu'ils ont recherché. Beaucoup, beaucoup de fans qui soutenaient la vie, qui ont envie de trouver un concert, ont toujours envie de trouver un concert, de grand concert live. Mais on pense que pour un gars, c'est un artiste qui vous l'a, qui vous présente aussi dans un registre. Chacun est dans un registre, chacun est dans un style musical, mais qui finalement nous retrouvons avec une grande solidarité et surtout un gros partage qui nous donne l'eau, ça produit de la répétition pour une bonne fin, nous là, nous peintrer et on est sûr que ça va casser la barre. Pour ce qui concerne l'album, comme Mr. Love veut dire, on écoute plusieurs sur un album auparavant et un album qui. Et c'est un album qui, justement, qui nous sentit une maturité, nous sentit beaucoup de courage, beaucoup de générosité qu'il lui permet, qu'il lui propose à ce public, avec beaucoup de ce style personnel, dans le fait qu'il voudrait vous faire gagner, qu'il voudrait beaucoup. Est-ce que, comme la musique locale, ma nouveau style, on a tout le temps le content de petit métissage, un petit appel en plus, c'est ce qu'il lui fait, et une collaboration, justement, avec moi-même. C'est un style différent de ce qui m'a dit, nous, Sega, comme je le connais, on est une classe pour le test de Sega. Et là, cette fois-ci, nous avons des affaires nouveaux qui m'ont pensé, qui m'ont vraiment apprécié. Et c'est lui, c'est son inspiration, c'est son confiance qu'il nous met en moi, qui justement, il nous met en tout cas à l'invité, qui nous l'a, qui nous présente, ça se là. En même temps, donc, il fait le concert, Mr. Love, le concert spectacle live, son lumière le samedi 9 mai au MGI, en tout cas. Je connais mon visage pour prendre le barillet, tout simplement. Et nous, on sera là, on sera présents, les invités qui seront là, pour épauler. Parce qu'avant qu'ils viennent concert avec un artiste, avant qu'ils viennent bien chaud, c'est surtout une grande institution avec un amitié, une solidarité, une générosité et un portage. Merci. Et comme Jenny précisait aussi, je pensais à beaucoup de bonnes chansons. On est là en saison de carrière. Bon. En 2015, c'est allemand, et parmi une sonorité qui nous tient là, en 1999, quand nous sommes débutés avec Système R et tout, c'est allemand, pour sa pensée-là, il y a beaucoup de types qui pour revisiter, retravailler d'ailleurs, pour saluer l'initiative et la collaboration de Gérard Louis, qui est un des grands musiciens, un plus grand arrangé qu'il y a dans Maurice, même de l'océan Indien, et qui même propose moi à refaire certains arrangements justement pour le concert, le déroulement du concert, et qui apporte ce soutien lui aussi, comme plusieurs autres artistes qui sont présents, et qui là, et Système est aussi là, le travail, et comment je connais Système est une particularité un peu spéciale, surtout au niveau de la chorégraphie, etc. Donc, ce sera vraiment un concert que du nouveau gagne à tout style de musique, pour tous les goûts, pour tous les âges, surtout de 7 à 77 ans, même plus. Et je peux vraiment apprécier ce moment-là. Et voilà, donc, le public connaît aussi que les billets arrivent super vite et qu'ils ont besoin d'accélérer, surtout quand vous assistez au concert et que je vous conseille très très vite, que ce soit à travers l'application Juice ou même dans un des autres magasins. Donc faites vite pour qu'ils soient capables justement d'assister à ce premier grand concert, Mr. Love de concert, ainsi que les invités. Des questions? Et combien de temps le concert? Le concert donc, commence à 19h30. Ouais. On connaît 19h30, c'est le champagne. Bien évidemment, avec le décalage et tout, tu nous prends en place pour commencer dans les 20h, pour terminer à 22h30, 23h maximum.
Pas juste trois étoiles de concert. Une seule location, bien chaque groupe. Une seule équipe de musiciens. Par contre, ils vont diviser en deux parties. C'est une grosse structure, c'est-à-dire à côté des musiciens, ce parti live et ce parti acoustique également. Parce que pendant ce côté, on va chanter. Donc, il faut revisiter une version acoustique et pendant ce côté live, tout mélanger ensemble. Et la section brasse, la cœur et tout fini mettre en place pour qu'il y ait un événement là, vraiment un gros succès parce qu'il met en face beaucoup sur la qualité de l'événement, que ce soit au niveau lumière, que ce soit au niveau son. D'ailleurs, c'est un Icos qui lui fait un gros travail et il est mis en place, tout le monde va faire. Et même pour la vidéo et tout là, pour filmer ça comme là. Donc voilà, nous pouvons tout ce qui nous capable, tout le moins possible pour que nous fassions un événement inoubliable et que le public soit aussi là, satisfait, heureux, content, bien amusé et qu'il y ait des bonnes encore pour une prochaine édition, un nouveau concert, soit de Mister Love, soit et sur de la troupe, système et famille. Voilà, nous là, vous avez été pour ça, sera présent nous capable. Et bien sûr, avec le soutien du public, bien sûr, il y a des soucis à la presse, parce que sans la presse, c'est pas grave. Mais voilà, nous rien. Mais voilà, et j'espère que tout va bien. Jusqu'au 9, il y aura un mois pile de la date du concert, et tout va bien. Oui, demande-toi, livre un petit secret, qui sont un ou deux titres ben, qui peuvent travailler pour Gérard Lune, qui peuvent avoir une conversion acoustique ou pas. Oui, dans Paradise, par exemple, c'est lui-même le premier arrangeur qui fait chanter là, au Paradise. Et lui-même, il peut donc refaire l'arrangement, surtout la version live, et beaucoup plus, qui est bien apprécié pour le concert, parce que là, c'est pour le concert, c'est en même temps nous capter l'attention du public et en même temps donner un spectacle aussi derrière pour faire vivre chaque parole, chaque note de musique, chaque moment. Et dans Paradise, dans l'esprit ancien aussi, qui fait partie du même album qui est sorti en 2007, même en 2015, 8 ans après, donc ça mérite justement un gros rapport. C'est quand même un sentiment Paradise qui mène un énorme succès et aujourd'hui, ça fait un énorme revivre. Et le travail, une façon, le public peut-être réunir sur un moment-là et on aime la sonorité de 2015. Dans le banjo, ça veut dire que vous chantez avec le banjo, à part l'Américain Gaspard, que vous avez un espèce de passage entre... Voilà, tout un artiste qui vous présente, qui est présent dans ce plateau-là, il y a un duo, le même trio aussi. Par exemple, comment sur le Paradise, il y a Jérôme Lui, et aussi Lim, qui sont tous en ce là. Et plus moi, et Systemé aussi, qui est également. Donc, c'est la scène pour remplir d'artistes, remplir de jeux de scène, qui pour là, même un danseur qui peut rentrer, sortir, qui peut voir même d'autres rôles. Et tout ça, il y a du pays, quand il tout, pointilleusement, pour qu'il faut dire tout bien comme il faut dans les rôles. Et ton nouveau album, comment parler de mon nouveau album, pas de Mister Love. Le nouvel album, en fait, est un type vraiment en particulier. Nous s'est gardé dans le plus simple possible. Et parce que l'album est dans différentes couleurs de musique. Donc, on n'a aucune préférence. Tout m'a senti que dans l'album, là, on a un attachement particulier avec certains titres et on ne peut faire pas bon un titre en particulier pour mettre au random. Donc on est Mister Love, tout pour vous. Combien de morceaux ? 13 titres. On espérait le chiffre 13 pour vraiment chance, mais voilà. Après, nous réservons une surprise aussi pour l'événement. Et on a une surprise énorme, un portage. Au niveau de la scène, au niveau avec le public aussi, parce que nous avons un travail que dans le musicien et que dans l'artiste, moi-même, fait un travail pour le public participer le jour du concert. Qui je parle d'une système concert assisté, taplamé,
nous un petit peu de gauche à droite, etc. Mais on a envie de faire le public un complément de cet événement-là. Qui, voilà, quand je là, on a mal pour nous rendre compte que nous avons santé, et nous, nous pensons que nous avons santé, nous pouvons participer avec eux, nous pouvons prendre une instruction, construction, et il y a le public là même pour sentir à l'aise, voilà, pour sortir là avec les médias content. C'est pourquoi je ne choisis le MGI, parce qu'il y a une salle un peu serrée, intimiste, bon, pour quelqu'un qui prend la salle ailleurs. Le fait qu'ils m'ont envie, c'est un premier événement, on a envie un petit peu intimiste, justement, mais en même temps, par 3 heures d'été, pour aller dans une grande salle, et pour qu'il y ait après, avant qu'on ait une difficulté ou quoi que ce soit, vous honnête et franc, parce que ce jour-là, le 9 mai, il y a d'autres événements aussi, qui est là dans l'île. Tout ça là nous prend en considération. Donc, je dis, ne pas vous faire mouvement, ne pas vous faire d'une certaine façon pousser plus que les autres ou quoi que ce soit. Vous respectez les autres justement parce que c'est ce qu'on a apprécié sur tous ces derniers temps-là. Avec beaucoup d'organisateurs d'événementiels, beaucoup d'artistes, chacun respecter le rôle des autres prochains. Et voilà, je dis, chacun peut travailler, chacun peut contribuer pour la culture, mais chacun a sa place. Après, on verra, suite au 9, nous vous guider si pas, il méritait, il vaut la peine, à l'aide du grand salle, selon les demandes qui pourraient là, dans sa un mois qui peut venir. Au niveau de la playlist, 50-50, c'est-à-dire 50% de nouveautés, nouveau album Mr. Love, avec ancien Mr. Love, sinon t'as à dire Bon, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. On va dire 50%, il y a un peu plus, ben répertoire qui joue déjà qu'on est d'ailleurs. La playlist, ça c'est une playlist que d'études. Que d'études, parce que quand même, il y en a 7 albums que Mr. Love System est sorti depuis 1999 jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un tube qui est bien brossé dans son tête, du monde bien connu. Et bien sûr, avec le tout dernier album de Mr. Love, qui en couple bien brossé, la plupart des chansons sont aussi là-dedans. Avec les nouveaux, qui pourraient dans le nouvel album, avec les collaborations, et Zion, voilà, qui est là aussi. Et Zion a zizoté tout seul au salle de la collaboration. Et on est un peu collaboration. C'est mon papa qui participe. Papa, vous chantez ce soir-là? Non, il joue la guitare, il est un guitariste. Peut-être qu'il y a une surprise pour le concert également. Et si tout passe bien, il est bien musicien de scène. Et voilà, il peut travailler aussi pour les Est-ce qu'il y a un projet en Europe, en France? Oui, ouais. Effectivement, il y a un projet en France en ce moment. Il y a un album international qui est en préparation. Et donc, on attend justement tout ça dans l'événement terminé, l'album ici sorti avant, le concert du 9. Et juste après, parce que après nous pourrons dans la période d'été en Europe, c'est là qu'il nous attaque justement l'album international qui compose plusieurs titres, de plusieurs collaborateurs aussi internationaux, très connus. On peut dire, voilà, je vais pas nous faire là. Ça va venir, mais ça aussi c'est un projet très intéressant, mais c'est très décalé aussi par rapport à ce que Mr. Love fait là. Sa album qui peut sortir dans quelques jours là. Et ce que Mr. Love fait à l'international parce que c'est déjà deux marchés différents. Et donc voilà, nous sommes placés un peu partout. Quand on a la possibilité, ben, essayez. On verra ce que ça donne en fait. Donc, question. Voilà. En fait, Nicolas, c'est mon associé de Mr. Ventetman. Disons, moi, je suis celui qui bosse dans le monde. Ouais. Il y a qu'un instrument de stress, moi, par Non, si vraiment, il décide pour le moment, ce mois, qui est l'essentiel, et qui nous met l'idée pour faire ça comme on s'y va, vous permet de nous dire en plus stress. Car vous m'avez déjà dit qu'on est, nous sommes par malin, parce qu'ils disent non, on va réclamer, tu vas encore un peu la 5 ans.
j'ai dit, tu as 10 rendez-vous, les restes m'ont beaucoup dit. Finalement, méthode 1, inarrivé, une méthode assez top couline, parce que c'est du durite, plein des œufs. Ça a même qu'il est tiré très prochainement là, ce local là. C'est un deux facettes mystérieuses. C'est pas un mystérieux comme cela de la demande, c'est un deux facettes, plusieurs répertoires, vous devez même comprendre. Tout le temps, vous avez dit, non, ma tête, on tue ensemble, nous faisons un signe ensemble. Et disons, on est fermé plus tard, on a même dit, mais, ouais, c'est beau. Et maintenant, suite à ça, on est allé fermer avec une semaine posée internationale, vous avez dit, mais, voilà, James Bond, il est sans zéro, vous avez dit, mais, il était en ce bureau, que vous avez tourné, mais pour ça, vous avez dit, oui, mais, j'ai moins de problèmes, mais, c'est un faux pépini de travail, pour vous dire que, vraiment, lui, il est devenu à fond, à 100%. Il y a un collaborateur qui est vraiment derrière nous, surtout la MCB, et qu'il y a un tel ça aussi. Il y a beaucoup d'éditeurs qui vont en faire, ou disent à l'heure, point d'autiste, qui est un des autres, pas tu peux faire. Je veux dire qu'il faut aimer nous. Parce que moi, tout le monde, il a dit, moi, c'est le rendez-vous qui compte en voir. On a un rendez-vous avec la MCB, juste à l'heure, on taille. Bien confirmé, bien rasé, bien tout. Ouais, il faut y aller. Vous avez dit, il est moins 10 minutes, vous avez dit, vous avez sorti. Allô, vous avez dit, il ne faut pas dire, moi, 11h30, au premier rendez-vous. Et il y a des causes d'affaires, hein, vous dites, là. Donc, voilà, c'est un bail avec deux, il y en a. Mais pour vous dire qu'il vraiment, qu'il, quand il perd, c'est un plaisir de venir là-bas aussi. Des deux côtés, maintenant, avec une satisfaction. Mais pour moi, pour ne pas trouver, il n'y a aucune raison, jusqu'à maintenant, là-bas, qui ça concerne là, pas pour moi aussi. C'est pour ça que, bon, tout ce que nous passons, vous pouvez dire pareil. Run, get your ticket. Je ne suis pas pour venir. Il y a un numéro qui est disponible, 24. Vous êtes téléphoné, vous faites cette réservation, sinon il y a un man qui est disponible pour le banquier. Donc nous devons faire le maximum pour nous faire une chose vraiment inédite. C'est un affaire qui pas pour faire Maurice. C'est comme là, c'est l'idée, Michel, il dit toutes ces affaires nouveautés. Pour revenir à la question qui fait nous font petit, nous disons petit, à ça bien j'arrive. Comment Michel va nous dire, nous préférons prendre petit, mais nous misons sur la qualité. C'est grâce à ça que nous chiens certains, nous gardons et on la salle. Ça prend nous passer devant Dieu, nous disons, peut-être prochain. Ça prend nous passer devant Dieu, nous disons, prochain que nous voulons. Pas besoin de presser, pas besoin d'un peu de vous cogner, mais du chien certain qui s'en conserve. Pour vous en améliorer, ça vous le voit. Ça vous le voit. Enfin, bon, c'est un petit peu, comment dire, visionnaire, on a une vision un peu poussée et aller un peu plus loin. Et comme Nicolas dit, même pour sa conseil là, c'est vrai que mon visage parfois affiche un peu de stress, la fatigue et plein de choses derrière. Parce que préparer un événement pareil et à côté réaliser un album, ou quand l'on l'album, moi-même qui fais l'arrangement, moi-même compositeur, moi-même coloriste, moi-même ingénieur, moi enregistré, moi-même les boutons ici, j'ai récupéré en tant qu'habit, enregistré, j'ai ici, fait une étoile, tout ça fait mastering, tout moi-même faire. Et en même temps, sur le projet de l'événement, c'est moi-même le concepteur, producteur du concert, réalisateur du concert, metteur en scène et tout ça m'en a fait là. Donc, gérer tout ça en même temps, plus avoir une vie privée, en quelque sorte, que j'ai pas. Mais sauf que, voilà, vous me faites le choix. Mon choix, c'est de faire plaisir aux gens. Mon choix, c'est de partager mon culture, mon invisible. Et voilà, aujourd'hui, c'est une satisfaction énorme et c'est un plaisir quand nous avons du groupe et que c'est un événement là. Quand il y a comme tout, autant de collaborateurs autour, quand nous avons MCB qui peut soutenir le projet, quand nous avons Radio One, même la presse qui peut donner un coup de bélier hier, et notamment le Paradise Berlin, surtout nous saluons Brian et Jimmy qui fait un gros travail énorme hier. Pour moi, c'est ça pour récompense. C'est ça qui touche moi énormément parce que on pas là pour faire business d'argent ou quoi que ce soit. On est là juste pour acquérir l'expérience,
pour apprendre quelque chose des eux et en retour porter justement ça l'amour qui vient pour la musique et sa, sa fraternité, sincérité qui vient envers le Mancos. Voilà, donc ça joue-là pour ce concert-là. Le public pour ressentir, le public pour découvrir vraiment c'est qui Mister Love, c'est qui System Air, c'est qui Savan Artist qui pour nous là, qui fait Savan Artist ça qui nous là, et pas mal des autres artistes. Le public vraiment je voulais un choc ça vous voit et il y aura des bons moments, ce sera vraiment très un moment émotionnel et aussi un moment quand, voilà, très dur. Je connais l'histoire de Mister Love vraiment, c'est-à-dire même que ce soit la vie privée. Et la vie artistique sera un mélange. Quand je poutou Mister Love ou la scène, quand Gwenaman ou ceux qui vous défilaient, je comprenais qui passait dans la vie Mister Love, qui me fait rêver ce qui était aujourd'hui et qui fait ça comme ça. Donc c'est un spectacle, c'est un concert, un paradis. Tout je peux rajouter quelque chose. Pour Alindia, il y en a beaucoup de responsabilités en ce moment. Il y a beaucoup de responsabilités qui lui ont enjeu. Monsieur est vraiment très stressé quand il veut dire ce filier que son arrive à faire. Et il me fait lire avec les pieds pour le temps. Aussi, il adore ce band fan. C'est une des affaires qui me connaît depuis le bon Mister Love, c'est que ce band fan, ce corrière, ce public, c'est une des affaires vraiment prioritaires pour lui. Et bien sûr, c'est une responsabilité là qu'il lui a endossé avec le soutien de plusieurs personnes autour de lui, mais c'est quand même un gros, gros stress pour lui. Et tellement qu'il y adore ce public, le mois de mai, c'est un mois très très important pour lui aujourd'hui parce que c'est justement son mois d'anniversaire. Mais il part de Gaintraka sur l'anniversaire, de Gaintraka ce concert, ce public, le spectacle commence à vous dérouler et comment il vous fait se passer un bon moment. C'est ça, la chose qu'il a choisi, c'est ce courrier et c'est de faire plaisir à son public et d'espérer vraiment que vous êtes présent pour cet événement. Et la date, juste la date du 9 mai, qui fait mon challenge sa date là aussi, parce que bon, c'est un samedi là-haut, le 9 mai. J'ai envie de faire le 8, mais malheureusement, le 8 d'un vendredi, pour faire un concert, ça ne va pas évident. Mais le 8, c'est l'anniversaire de ma maman, donc j'ai envie de faire ça comme cadeau. Et ce sera la première fois en 16 ans encore hier que mon maman va assister à un concert. Donc c'est une façon pour moi, parce que si je vous dis là, la terre, et puis faire ce métier là, c'est grâce au soutien de mes parents, et c'est eux qui mettent moi là. Et ma maman, justement, c'est son anniversaire, c'est ça cadeau là qui m'a envie de lui. Parce qu'au début, c'est vrai qu'il n'a pas trop la confiance, parce qu'il parle tout le temps dire, ouais, la musique, c'est un domaine, c'est la vie, etc., etc. Mais mon envie montre les autres, avec soutien qui est là autour, qui est, voilà, c'est ça moi la vie, la musique c'est ça moi. Et que je vis bien, mon bien dans mon amour. Et c'est une façon de remercier aussi ma maman pour le jour de son anniversaire. C'est ça qui me choisit à sa date du 9. Voilà. Des questions? Ça va? Et après, ça va? C'est cool. Merci beaucoup. Et merci de